sais, il y a du monde qui vont dire comme qu'est-ce que je fais en ce moment, je suis juste en train de voler la musique à quelqu'un d'autre. À la fin de la journée, moi je m'en fous là, de comment le beat il sonne. Là. Si le beat va faire en sorte que Ransom ou Rock Marciano vont rapper des rimes de fou, c'est tout ce qui importe. Puis l'affaire, c'est que je sais que quand ils vont entendre ce shit-là live que je viens de finir, ils vont être comme damn. So, première étape, je vais aller dans. Mais première étape, habituellement, ça serait d'aller downloader ou d'écouter un nouveau vinyle. Mais là, j'ai downloadé une couple de nouvel albums que j'ai pas écouté. So, là, on va écouter Sissy Houston. L'album s'appelle Presenting Sissy Houston. Il est sorti en 1970. So, c'est un rare, so, il faut que je l'extracte. C'est toujours ça que je fais d'habitude. Je prends le fichier une fois qu'il est extracté. Je vais dans mon playlist sample. Tu vois, j'ai déjà d'autres samples qui chillent là, qui attendent que je fasse des masterpieces avec. Ce que je fais en premier, je vais changer le genre pour que ça soit sample. Ça m'aide à catégoriser puis organiser mes affaires après. Puis là, basically, je vais commencer. Puis en écoutant l'album, tu sais, d'habitude, je peux savoir un peu ce que je vais être capable d'utiliser avant, ben juste en attendant un peu le tempo. Comme si le tempo il est trop vite ou dense, je vais pas être capable. Live ça a l'air chill, puis live c'est quoi qui vient. Je parlais trop là, ça, quelque chose de fou qui s'est passé. Tu vois, ok. Ce que je vais faire, ben c'est, déjà je vais faire un beat avec ça, c'est sûr. So, excuse, pardonnez le train qui passe à côté, on a la Transcanadienne juste à côté de chez nous. Basically, là je viens d'entendre de quoi de fou. J'aime le premier. Les premières deux mesures sont bonnes. À la troisième mesure, il y a comme un changement d'accord que j'aime pas trop. So, dans le fond, première chose qu'on va faire, j'ai déjà une idée que je vais faire avec le beat. Peut-être que je vais changer d'idée en l'écoutant, mais là je vais le laisser jouer. Puis je vais rouler un spliff parce que ça va faire nice. Puis c'est ça que je fais habituellement. Tu vois, ça c'est déjà comme. Ça c'est le genre d'album. Juste en ayant vu la couverture, tu sais, ça avait l'air d'une fille bien gentille, bien à son affaire, pas l'air d'une fille qui va clubber ou rien. So. Puis c'est 1970, ça veut dire que ça va pas être du disco, ça va pas être de la danse, ça va être du bon soul classique, vraiment comme peine d'amour ou d'histoire d'amour. Pis c'est ça qu'on veut. On veut des affaires slow parce que du hip-hop c'est comme un tempo assez rapide. So, on veut être capable d'accélérer les affaires au niveau du hip-hop puis pas vraiment les ralentir au niveau. Parce que quand tu ralentis un sample, j'aime pas vraiment le son. So, je cherche toujours des affaires assez slow. En ce moment, c'est pas mal comme vite, mais je vais l'utiliser quand même parce que c'est fou. Puis aussi, quand tu ralentis, c'est mieux de ralentir une voix de femme parce que là, ça va sonner comme une voix d'homme ralentie. Tandis que si tu ralentis une voix d'homme, ça va sonner comme un démon ralenti. So, ça c'est une grosse affaire. Honnêtement, comme l'affaire, c'est que je sais déjà que je vais faire un beat avec ce sample-là. So, on va laisser jouer un petit peu plus de trap pendant que je fume. Une autre affaire. Souvent, qu'est-ce qui est nice, tu sais, il y a bien du monde qui hate sur les Beatles, puis disent les Beatles, ils ont volé plein de musique des Noirs américains, ce qui est vrai, mais comme, éventuellement, les Beatles, ils ont fait des chansons assez fly eux-mêmes, ils ont arrêté de voler les chansons à tout le monde aux States, puis il y a bien des chansons des Beatles que, comme quand tu vas chercher dans comme le soul américain des années 70, qui est sorti après que les Beatles, ils ont fini leur carrière, puis ont break up, il y a plein d'artistes de soul, et puis de R&B, qui ont repris des chansons des Beatles. Exactement, Sissy Houston ici, elle aurait fait un cover de The Long and Winding Road, qui est souvent une chanson que tu vas voir cover par des artistes soul. C'est souvent celle-là puis Yesterday. The long and winding road that leads. Ça, c'est sûr que je fais un beat avec ça, là. Oh! To your non, peut-être pas. C'est trop vite. You never see the little sparkle in my
tu vois, c'est le beat. Yo! C'est ça, Ransom va rap dessus, là. Vous avez ça live en ce moment, la création. Je suis pas en train de refaire un beat en ce moment. Là. C'est pas, ça, c'est tout nouveau. Là. Ça, c'est du fire. Oh my god. Moi, je vais faire live. Fuck le spliff. Ouais. Ok, mais c'est sûr. Okay, fait, j'ai appris souvent aussi en, comme, en écoutant tellement de chansons de soul et de cette époque-là. Tu comprends que quand t'entends certaines choses dans une chanson, d'après la structure, ils vont se répéter. Puis ça, c'est sûr qu'il y en a au moins deux autres passes de même dans la chanson. Je l'ai écouté au complet. Avant qu'on commence d'enregistrer, comme il y a déjà beaucoup de la job qui est faite. Comme là, honnêtement, quand je vais faire le beat, ça va me prendre comme 3 minutes. Moi, la grosse partie de la job a déjà faite avant que vous arriviez. Puis ça, c'est trouver l'album. Fait, là, j'ai déjà l'album de CC Houston. Puis c'est trouver cet album-là qui m'a pris du temps. Ça. T'sais, faut, comme, pour trouver ces artistes-là, il faut que tu lis, il faut que tu checkes des documentaires, il faut juste que tu t'instruis sur la musique, ou le soul, ou n'importe quelle musique tu veux. T'sais, comme, moi, ça fait 13 ans que je cherche de la musique soul, puis je sais pas c'est qui Cissy Houston, c'est la première fois que je la trouve. Là. So, ça, c'est déjà pas mal une des plus grosses parties de ma job. Une fois que j'ai le sample, puis j'ai l'album, faire le beat, ça peut prendre comme 3 minutes. Là, je vais faire ce beat-là pour vous, mais en plus, je vais vous montrer qu'est-ce que j'aurais fait avec ce sample-là, genre quand j'ai commencé à faire des beats, quand je faisais du boom-bap, plus tard un peu quand je faisais plus des shit drill ou trap, mais là c'est comme live, de la façon que je fais des beats maintenant, comme là, je vais juste chopper les affaires en 3 minutes, vous allez voir, c'est fini. Là. So, c'est vraiment juste comme, tu vois ici, on voit les transients, tu sais, c'est les gros hits. Qui sont pas mal, genre les accents du rythme de la chanson. So. Je zoom in. Parce que moi, j'utilise, comme moi, il n'y a pas de machine, il n'y a pas rien. Là. Moi, c'est tout laptop, logiciel, MP3. Comme ça, c'est déjà un beat, man. Comme ça, c'est ça l'affaire. Comme moi, à la fin de la journée, l'important, c'est pas genre, oh, le travail que t'as mis derrière le beat ou à quel point, genre. Tu sais, il y a du monde qui vont dire, comme, qu'est-ce que je fais en ce moment, je suis juste en train de voler la musique à quelqu'un d'autre. À la fin de la journée, moi, je m'en fous là, de comment le beat il sonne. Là. Si le beat va faire en sorte que Ransom ou Rock Marciano vont rapper des rimes de fou, c'est tout ce qui importe. Puis l'affaire, c'est que je sais que quand ils vont entendre ces shit-là live que je viens de finir, ils vont être comme, damn! Oh, 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 non, check, j'ai pas fini, excuse-moi, je parlais trop vite. Littéralement, man, fuck it. Let's go. T'as pas entendu le chop juste là, là. Ok, so là c'est comme 80, non là c'est comme 70 BPM. Ça c'est slow quand même. So je vais quand même le monter parce que je connais, je sais que Ransom lui il aime comme 78 à comme 83 BPM. Je vais pas le monter jusque là parce que je veux pas trop que ça soit genre comme des chipmunks. Là. On va voir comment ça sonne. Là c'est un bon tempo, c'est un peu slow mais ça marche. Là. C'est aussi simple que ça, man. Mon but à la fin de la journée, c'est pas être reconnu comme le gars qui fait les meilleurs beats ou whatever the fuck, mais je sais que des beats de même, les rappers vont être comme down rap dessus. Moi, je veux être le gars qui fait les meilleures chansons de rap. C'est juste ça. Je m'en fous d'être le meilleur, d'avoir les meilleurs beats ou, les meilleurs ou être le meilleur producer. Moi, je veux être associé aux meilleures chansons de rap. Puis je sais que des shit de même, tu sais, le monde, ils ont peur d'utiliser ça maintenant parce qu'il faut que tu payes pour des samples ou le monde va te trouver, puis tout. Puis s'il vous plaît, si la famille de CC Houston écoute en ce moment, comme.
appelez-moi, comme checkez-moi sur, envoyez-moi un DM, on va parler, je vais payer, c'est chill. Mais comme, tu sais, c'est comme vouloir que comme tu payes pour ton sample chaque fois que tu vas sortir une chanson avec un sample à la fin de la journée, si c'est une chanson comme underground, comme si c'est une chanson mainstream que tu veux aller sur le Billboard, oui. Mais comme dire à quelqu'un, oh, il faut que tu payes pour ton sample quand tu fais une chanson de rap underground que juste comme, tu sais, maximum 100 000 personnes vont entendre. Ça, c'est comme dire à un artiste graffiti, yo, paye pour le mur que tu dessines dessus, genre, tu sais. C'est le genre d'affaire. Comme nous, on fait du hip-hop à la fin de la journée, c'est comme, c'est pas toujours genre 100% comme legit ou whatever qu'est-ce qu'on fait, mais c'est comme, si ça sonne bon pis c'est le fun, pis whatever qui va créer la meilleure chanson, man. Les affaires légales, ça vient plus tard, man. On pense pas à ça. Ok, sur là, il y a ce beat-là. Pis là, juste faire vite fait, il y avait dans le refrain une autre affaire fly. On a deux beats, là. Comme ça, c'est des beats, là. Tu peux envoyer ça à quelqu'un, pis ça peut l'inspirer à vouloir drop des bars de fou, là. So, ça, c'est comment moi je fais des beats maintenant. So, là, je vais vous montrer d'où. Prenez ces samples-là. Je vais juste prendre ces samples-là, puis je vais te montrer comme. Qu'est-ce que j'aurais fait avant. J'aurais ajouté des drums parce que j'étais comme, ok, c'est il y a personne qui faisait ce son-là en comme 2008. J'écoutais juste comme Kanye, puis DJ Premier, puis 912, Just Blaze, puis tu sais, Cool and Dre. Fait qu'il faut mettre des drums sur ton sample. Tu peux pas juste laisser ce sample tout nu. So, là, je vais mettre des drums dessus. Alright, là simplement je vais rajouter des hi-hats sur le premier beat que j'ai fait. J'ai déjà choisi le hi-hat. Ouais, je vais faire ça, pour faire ça. J'ai baissé le hi-hat un peu, là ça sonne plus comme il est rentré dans le sample un peu. Un snare. Mon snare préféré ici. C'est un bon snare. C'est mon snare préféré, mais c'est un bon snare. C'est pas mal qu'est-ce que j'aurais fait, honnêtement. Peut-être j'aurais rajouté une bass, puis j'aurais enlevé la bass dans le sample original, mais la bass est quand même nice. So, on avait le sample avant juste comme ça. Ça, c'est comme Craven version 2020.
ça c'est Craven Boom Bap version 2010 genre. C'est hype? Yeah? Alright. So, alright, vite fait aussi, pour vous montrer. On va aller avec sample là, je vais le ralentir un peu. Puis je vais utiliser les mêmes drums, mais tu sais, j'aurais peut-être utilisé des 808 en différent, comme, ou de quoi d'autre, mais ces drums-là sont nice, je pense que ça va marcher quand même. Mais je vais faire un pattern différent. Bon.
4 beats. Deux premiers, comme je vous ai montré, ça serait pas mal comment je les laisserai aujourd'hui. Mais là, juste pour l'occasion, je vous ai fait deux autres versions. En finissant avec la version plus comme trap ou... C'est plus... plus ben, tu sais ce que je veux dire? Plus comme Dirty South ou tempo plus lent. Là. So that's it, man. Qu'est-ce que t'en penses? Terrible. Yeah? Yeah, man.